Bon, 25 juillet, journal La Montagne, les Jeux Olympiques, ça y est, ça va commencer. Ça, c'est pas mal, il y a une application FFCC gratuite pour savoir exactement les places dans les campings en temps réel. Faut que j'aille voir ça, c'est pas mal ça. Pour trouver en un clic un lieu pour passer une nuit en camping, sur une aire de camping-car ou dans un jardin chez l'habitant, hop, gratuite et ouverte à tous. Même si tu n'es pas adhérent de la FFCC. Tiens, je vais aller voir ça. Bon, je suppose que tous les jours, on aura les résultats et le programme sur le journal La Montagne. Donc aujourd'hui, vous avez le programme et les résultats d'hier. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse. À part le tir à l'arc, je trouve que c'est pas mal le tir à l'arc. Après, le reste, je m'en fous. Football, rugby, pas trop mon truc. À part l'Espagne, oui. S'il y a l'Espagne qui joue. Les Jeux Olympiques d'hiver qui seraient dans les Alpes françaises, la classe. C8 qui disparaît. Les chaînes du groupe Canal+ et Énergie 12 perdent la fréquence. Bon, à gauche, ils sont pas contents, hein, parce que Macron, il veut pas de cette fille, mais elle a dit si. Ils sont en colère. Ils ont dit à Macron, non, faut la nommer, Premier ministre, c'est comme ça, elle est candidate, faut la nommer. Bon, alors Lucie, elle a une bonne tête de vainqueur. Je la vois bien chef d'entreprise, cette femme, responsable des RH. Bon, il y a Benjamin qui a expliqué que la victoire d'Israël, ça serait la victoire des USA. Il a exhorté les États-Unis à débloquer une nouvelle aide militaire et a évoqué un Gaza démilitarisé et déradicalisé pour faire libérer les otages du Hamas. La victoire d'Israël sera aussi une victoire pour les États-Unis. Nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, nous vous protégeons. Nos ennemis sont vos ennemis. Notre combat est votre combat. Et notre victoire sera votre victoire. Israël et les États-Unis, main dans la main. Taureau, vous occupez une excellente position, celle d'empêcher quiconque d'agir sans vous consulter. Le rappeur Naps, accusé de viol. 6 millions de téléspectateurs qui ont écouté Emmanuel Macron. C'est pas beaucoup. Ils étaient 15 millions. Ben moi, je ne l'ai même pas écouté. Je l'écoute plus, il me saoule, lui.